balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé le poulet mon canja isali, par obi njomo yali, en Cuba paniwa, par obi njenge isali, ya komba kanga ya shembo to yambi sela, par obi niyamba ya bosu ya boko boso isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, isako dia na peti, kwa mama mande. Pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie, pas pour les radis, Coriana, appétit! Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est un honneur de vous retrouver en 2021. Et parmi les premiers numéros de 2021, vous avez celui-ci. C'est un grand honneur. On parlera de l'actualité parlementaire. Cette émission va être beaucoup plus technique. Vous allez vous rendre compte que ce sera plutôt sur le profil, sur le principe que nous allons tourner. Et pour la première fois, je reçois un expert en communication institutionnelle et parlementaire, sur les questions parlementaires. Ça fait plus de 18 ans qu'il est dans ce secteur, dans ce rouage-là. Il côtoie les députés, les sénateurs. Il peut nous donner une image type de notre Parlement. C'est vrai qu'à un moment donné, on attaque le Parlement en disant qu'ils sont improductifs, ils n'ont pas produit. Mais là, nous avons quelqu'un qui peut nous dire exactement à quoi a servi cette histoire, ce Parlement, 18 ans durant. Commençant par 1 plus 4, toutes les autres formes de gouvernement qu'on a dans ce pays, jusqu'à la nouvelle constitution que nous avons, disons, à la présente même, 2006, 2011, 2018. Alors, c'est M. Bolisson, Bruno Bolisson, comment allez-vous? Merci, Christian, je vais bien, merci pour cet honneur. Je rappelle que vous avez un long parcours, vous êtes d'abord journaliste à la base, vous êtes expert en questions parlementaires, vous avez évolué au Parlement, vous avez côtoyé les présidents, les députés, les sénateurs, vous connaissez bien ces secteurs-là. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas dans un parti politique, vous n'êtes pas non plus dans un cabinet politique, vous êtes analyste des questions parlementaires. Oui. Il faut dire que c'est grâce à la RTGA que j'ai eu cette opportunité-là de flirter un peu avec les rouages de l'Assemblée nationale depuis 2003. Ouais. Donc, nous avons côtoyé le président de l'époque de l'Assemblée nationale 1 plus 4, Olivier Kamitatou. Ouais. Qui a été suivi par Thomas Louaka. Ensuite est venu le temps de Vital Kamerhe, Évariste Boshab, Aubin Minaku, Jeannine Mabunda. Et aujourd'hui, le bureau d'âge, nous attendons celui qui viendra après. Alors parlons d'abord de cette nomenclature dont vous parlez. Est-ce que c'est pour la première fois que nous ayons un bureau d'âge dans ces conditions? Non, le bureau d'âge, en réalité, c'est une dénomination, mais en réalité, ça signifie tout simplement bureau provisoire. Le bureau provisoire est constitué du doyen d'âge et des deux cadets. Okay. Et on connaît cette réalité à chaque début de la mandature. Nous avons eu, vous savez, avec Kombo Kissi, vous avez eu le Patrick Mouyaya et les autres, oui, qui étaient le bureau provisoire. Oui. Avec Kiungwa Kumwanza, on a eu également un autre bureau provisoire avec Aminata Exaction Aoussé. Kiungwa Kumwanza qui a préféré rejoindre l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il a laissé à Maloka les bâtons de commandement. Et cette fois-là, par rapport à la dénomination, à la singularité bureau d'âge, c'est-à-dire qu'il y a crise, on a évincé les bureaux. Il faut faire la passerelle pour arriver à un autre bureau définitif. Et c'est là qu'il y a les bureaux d'âge. On identifie le plus âgé. Oui, mais pourquoi le nouveau rapporteur, on dit qu'il est plus jeune, pourquoi ce n'est pas lui qui a été choisi quand ils avaient commencé la législature? Oui, mais parce que c'est au regard du tableau en présence. En janvier 2019, le moins âgé, c'était Aminata. Oui. Et également moins âgé maintenant. Maintenant, par rapport à Jackson Aoussé, qui était le premier moins âgé
du bureau Kiungu et Maloka. Il s'est révélé que Gaël Boussa Obamboulé, qui a été validé après que son père, Jean-Lucien Boussa, ait choisi le Sénat, puis le gouvernement. Il était le premier suppléant de son père. Ah, il s'est révélé être moins âgé que Jackson Ahoussé. Donc, Jackson Ahoussé ne pouvait plus occuper ce poste-là, ni un certain Kazadi qu'on avait provisoirement désigné, comme, parce que Gaël s'est révélé le moins âgé. Le moins âgé. Voilà. Alors, parlons d'abord du début. Comment vous comparez la production législative de tous les bureaux, de toutes les législatures? Nous parlons de Kamitatou, nous avons Thomas Luaka, Kamere, Bouchab, Minaku et Toumabunda. La production législative. Oui, disons que la production législative durant toute cette période a été oscillatoire. Ça dépendait du rythme imposé par chaque bureau, mais ça dépendait également de la durée de chaque bureau. Vous avez d'abord Olivier Kamitatou qui a fait un peu plus de deux ans. S'il était désigné comme, à l'époque, il était secrétaire général du MLC, le MLC ayant obtenu le Parlement par rapport au partage qui a été fait à Saint-City, c'était donc Olivier Kamitatou. Mais à l'époque, je pense que c'était le début du décollage du Parlement de l'Assemblée nationale, nouvelle version par rapport à la Troisième République, parce que le Parlement existait depuis l'époque coloniale. Et le rythme de la production législative était au regard des ambitions déjà, ou de la feuille de route déjà calquée par l'accord global inclusif signé à Saint-City. C'était une juxtaposition des belligérants, des gens qui se sont fait la guerre et qui se sont retrouvés ensemble. Olivier Kamitatou a voté, il y a eu le vote d'une cinquantaine de lois, et peut-être un peu moins. Luaka est venu, il n'a pas fait longtemps. Luaka a fait, je crois, 3 mois, et je crois qu'il y a entre une ou deux lois qui ont été votées sous Luaka. Kamere est venu. La particularité de Kamere, c'était le contrôle parlementaire. Il y a eu des débats houleux, des longs débats par rapport au contrôle. À ce moment-là, on suivait les débats à la télévision. Par moment, on commençait à soupçonner qu'il flirtait avec ceux qui étaient venus de l'opposition parce qu'il donnait trop de paroles à ceux qui venaient pour essayer de dépiécer les membres du gouvernement. Et puis ce qui était bien, parce qu'on avait à ce moment-là une nouvelle génération de députés, finalement, on a vu le jour, des députés très éloquents, travailleurs, qui dénonçaient, une activité, on va dire un contrôle parlementaire assez sérieux en ce moment-là. Assez sérieux, mais il y avait plus l'effet caméra. Oui. Donc les débats télévisés, c'était la particularité. Et puis est venu Bouchab. Mais restons d'abord dans Kamere. Oui. Est-ce que toutes ces législatures ont déjà fait tomber des ministres? On a déjà assisté à ça? Oui, sous Kamere, il y a des ministres qui sont tombés par le contrôle. Il y a même des ministres qui étaient à deux doigts de chuter. On a vu des autres faire des chutes, perdre la connaissance, puis des crises. Hein? Oui, puis qu'il y a des crises. Et il y a eu la ministre Laure Marie Kawanda qui a été révoquée. Bon, il n'a pas fini la procédure en termes d'interpellation. Il y a le ministre Mende qui a survécu au cours d'une procédure très longue avec une motion de défiance initiée par Jabamanis, à l'époque député national. Il y a eu le ministre de Nkulu Kilombo, ministre près de la présidente de la République, interpellé ou défié par Jean-Lucien Boussa. Donc la motion Boussa et la motion Bamanis, c'est parmi les motions les très bien ficelées sous caméra. Mais heureusement, ils ont survécu. Parce qu'ils avaient la majorité. Oui, parce qu'ils avaient la majorité, les yeux n'ont parlé. Après, il y a eu l'époque Bouchab. À l'époque Bouchab. Bouchab, par rapport à Kamere, il y a eu accélération par rapport au rythme de production des lois. Ah, d'accord. Et Bouchab également, il y avait un contrôle. Mais il y avait. Bouchab, c'était un contexte particulier où c'était les palous qui étaient à la primature. Oui. Chaque fois qu'on contrôlait un ministre palou, et surtout un premier ministre qui était palou, les palais du peuple étaient pris d'assaut. Par les extrémistes, pas nous. Donc, ce n'est pas la première fois. Voilà, c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec l'UDP. Ce n'est pas la première fois. On a connu. Bouchab avait connu un déchaussement pendant qu'il quittait son bureau pour venir à la plénière, par bousculade. Donc, ce sont des scènes assez habituelles. Et puis, il y a eu, vous savez, Obin Minaku, qui a fait pratiquement 6 ans et demi à la tête de l'Assemblée nationale. C'est lui qui est le plus militant, hein. Oui, en termes de longévité, il est deuxième. Le premier, c'est Boboli Kolokonga, qui a fait pratiquement 9 ans et 8 mois. À l'époque, président de l'Assemblée nationale, sous Mobutu. Sous Mobutu. Oui, mais dans les hits parades, donc Obin Minaku
deuxième, juste devant Laurent Monsengo, qui a fait 5 ans lui aussi. D'accord. Voilà. Alors, parlons d'abord de ce qu'on maîtrise mieux aujourd'hui. Mmh. Quelle a été la particularité du bureau Beauchamp, à part la rapidité en termes de production? Est-ce que le contrôle parlementaire était effectif en ce moment-là? Le bureau Beauchamp, comme d'ailleurs le bureau Ménago, avait l'avantage que celui qui dirigeait l'Assemblée nationale était également plus ou moins le patron administratif de la majorité présidentielle. Beauchamp était secrétaire général du PPRD à l'époque, c'était un tout puissant parti politique. Et Ménago était secrétaire général de la majorité présidentielle. Ouais. C'est les deux partis. Mais il y avait un contrôle. Mais à chaque législature équivaut un modèle de contrôle parlementaire. Ménago, pour faire la comparaison avec les autres bureaux, parce que la question était là, par rapport aux autres bureaux, même s'il a fait longtemps, mais il a atteint un niveau très élevé de la production législative. Il y a eu plus de 270 lois qui ont été votées sous Ménago. Donc, mais le contrôle, il y a eu beaucoup à dire, on disait qu'il protégeait beaucoup et puis certains sont allés même plus loin pour dire que les interpellations à l'Assemblée nationale étaient pratiquement devenues un défilé de mode, des membres du gouvernement qui voulaient s'exhiber, à la fin on les remercie par la même personne qui les a interpellés. Donc c'est ça aussi la difficulté, de bien assurer l'aspect contrôle de l'exécutif quand c'est le même gouvernement, c'est la même majorité qui est aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau parlementaire. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que le contrôle parlementaire, ce n'est pas seulement les effets caméra. Le contrôle parlementaire, ce n'est pas seulement la motion de défiance ou la motion de censure. Le contrôle parlementaire, c'est aussi des questions écrites. On écrit à un ministre, il s'explique à travers une réponse écrite qu'il donne à une commission permanente spéciale. Donc, il n'a pas besoin de s'exhiber devant la télévision. Ça peut être aussi des questions d'actualité. On lui pose question, il vient répondre et le concluant dit merci. Mais le public, la société congolaise, la population qui a l'impression que ceux qui sont au gouvernement ne font pas correctement leur travail, s'attend beaucoup plus à voir des ministres sanctionnés directement à l'Assemblée nationale. Et si ça ne vient pas, donc ça donne l'impression d'un copinage intergouvernemental. Et parlons du bureau Mabunda maintenant. Le bureau Mabunda, comment vous l'avez trouvé? Le bureau Mabunda, au départ, c'est un bon bureau. Vous avez Mabunda elle-même, c'est parmi les grandes cartouches de la majorité présidentielle. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Elle a été PDG de la FPI, ministre de portefeuille. Pendant très longtemps. Voilà, très apprécié au Sénat à l'époque. Bon. On l'a conseiller spécial du président de la première matière sexuelle. C'est elle qui a été finalement choisie. Mais il n'y avait pas que Mabunda. Vous avez Balamagé, un ancien ministre du Travail. C'est un avocat de carrière, un brillant avocat. Et il a souvent été élu chez lui à Idjoui. Plusieurs fois ministre. Plusieurs fois ministre, je l'avais dit. Vous avez le professeur Moussao Célestin. C'est un grand professeur d'université à l'Unikin, un bon juriste. Mais vous avez aussi le général Union, le questeur adjoint. Bon, j'ai des réserves par rapport à la questeur que je ne connais, qui ont été votées, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de plénières, à mon entendement. Il n'y avait pas suffisamment de plénières. L'année 2019 a été ce qu'elle a été. 2020, il y a eu la pandémie. Mais bref, sur le plan de la productivité... C'est le bureau qui a moins produit à mon avis. Tous les autres. Le bureau là qui a... Il n'y a eu qu'une année et deux ans, on ne peut pas comparer ça comme ça. Oui, mais deux ans, c'est beaucoup. Oui, mais Covid, le Covid interdisait. C'est ce que je disais. Bon, ils ont été peut-être... Oui, peut-être dérangés. Mais alors, vous qui avez été longtemps là-bas, comment se prennent des décisions, par exemple, pour faire passer une loi? Parce qu'on entend les députés se plaindre. Jacques Njoli se plaint qu'il a déposé une loi qui n'a jamais été étudiée. Le prof Mbata se plaint qu'il a déposé des propositions de loi qui n'ont jamais été... Lutundula et bien d'autres. Sur quelle base le bureau se fonde pour analyser une loi et désapprécier une autre? Voilà, au niveau de la navette parlementaire, vous connaissez celle pour le grand public, on l'appelle navette, l'évolution d'une loi, depuis sa conception jusqu'à sa promulgation par le président de la République en passant par les deux chambres du Parlement. Il y a deux formes d'initiative de loi. Soit c'est une proposition de loi qui vient d'un député ou d'un sénateur, soit c'est un projet de loi qui vient du gouvernement. Mais parlons pour le cas qui nous concerne d'une proposition de loi. Un député ou un groupe de députés qui initie une loi, il l'écrit au bureau.
le bureau fait ses observations, il envoie au bureau d'études. Le bureau d'études étudie la loi sur le plan de la forme et sur le plan du fond et fait ses observations, ça revient au bureau. Le bureau, à son tour, va saisir le gouvernement. Le gouvernement a une instance qui étudie la commission des lois. Le gouvernement va toileter et fait ses observations, il envoie à l'Assemblée nationale. Donc, ça devient comme un projet, mais alors qu'à l'origine, c'était une proposition de loi. Bon, maintenant, le rôle du bureau est prépondérant. Le bureau peut estimer, j'ai dit bien peut estimer, à tort ou à raison, qu'il n'y a pas d'urgence. Le bureau peut estimer que, bon, on attend d'abord les observations du gouvernement ou on attend d'abord que le bureau d'études et travail. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il est difficile de se prononcer. Voilà pourquoi j'ai dit le bureau de l'Assemblée nationale a un rôle déterminant dans tout rythme de production législative. Alors, pour ne pas nous éparpiller, rentrons dans l'actualité. Madame Abunda, élue présidente de l'Assemblée nationale, vous, dans votre histoire parlementaire, est-ce que vous avez déjà vu un président de l'Assemblée nationale venir avec l'effigie de son président de la République? Est-ce que ça s'est déjà fait dans le temps? Peut-être qu'on est en train, on serait en train d'attaquer Mabunda alors que des choses pareilles ont déjà eu lieu avant. On a vu Madame Abunda, par exemple, avec l'effigie de Kabila sur l'épaule, sur sa poitrine droite. Est-ce que c'est Minaku, Bouchab, Kamere ont fait ça déjà? Bon, en termes de comparaison, je ne me rappelle pas trop, mais le président de l'Assemblée nationale, il symbolise la représentation nationale. Ouais. Il symbolise il est le porte-parole des élus. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les règlements intérieurs, les attributions du président de l'Assemblée nationale sont énormes. Et à ce titre, il est toujours souhaité qu'il ait une dose élevée de neutralité par rapport à sa famille politique et par rapport aux différents groupes qui ont peut-être avalisé sa candidature. Mais bon, de là à savoir si mettre l'effigie de son leader peut avoir des conséquences par rapport au règlement intérieur, je n'en sais pas trop. Mais le président de l'Assemblée nationale symbolise la représentation nationale. Or, la représentation nationale est politiquement multicolore. Donc, sauf à être dans un parti communiste chinois. Alors, à ce moment-là, ça devient très chaud. Est-ce que le règlement intérieur, c'est un règlement d'un bureau ou c'est un règlement d'une législature? Le règlement intérieur engage ou régit le fonctionnement de toute l'Assemblée nationale. C'est le cas aussi du Sénat. Donc, ça concerne tous les députés. Ça concerne même les administratifs de l'Assemblée nationale. Oui. Ça concerne même la presse accréditée. Parce que là, dans le règlement, on parle de la presse accréditée. Est-ce que c'est chaque bureau qui a son propre règlement ou c'est le premier bureau qui a imposé, c'est le fait qu'il y a travaillé sur le règlement? Le règlement intérieur est adopté pour toute la durée de la législature. C'est pour cette raison, comme c'est une loi organique, avant son application, il doit être déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie. Donc le bureau Mbosso n'a pas besoin d'avoir un autre règlement? Non. Il va utiliser le même règlement? Le même règlement qui est utilisé. Ah, sauf que durant la législature, les députés, un groupe de députés, peut estimer qu'il y a des failles, il y a quelques coquilles, il y a quelques réajustements opérationnels à donner au règlement intérieur. À ce moment-là, ils révisent et... Cette révision-là, avant que ça soit mise en application, doit passer par le contrôle ou l'aval de la Cour constitutionnelle, comme je l'ai dit. Alors, peut-être cette question va vous embarrasser du moment où vous n'êtes pas d'un parti politique, mais parlons-en, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut qu'il y ait une élection au sein de vos partis politiques? Il faut qu'il y ait un consensus? Il faut qu'il y ait un dictat politique? Ça dépend. Ça dépend, ça peut être un dictat, ça peut être une élection, une sorte de primaire pour déterminer quel est le meilleur candidat. Si c'est Bossembe, c'est Bossembe. Si c'est Mbolison, c'est Mbolison. On a déjà fait ça dans le passé. Je ne me rappelle pas. Mais il y a eu des arbitrages. Mabunda n'était pas le super favori des candidats. Il y a eu des noms qui ont été avancés. Ouais. Bouchab était prétendant à être président de l'Assemblée nationale. Lokondo n'était certainement pas prétendant, il était même candidat. Minaku, les noms étaient cités pour revenir. Liao, les noms étaient cités pour être... À l'époque de l'élection de Mabunda, il y a des noms qui ont été cités comme ça. Toengao était parmi les noms qui étaient cités. Mais pourquoi eux n'ont pas eu cette chance-là? Parce qu'il y a des arbitrages.
au niveau politique, l'arbitrage peut-être au niveau du chef de parti, au niveau du commandant suprême des regroupements. Mais pour être élu président de l'Assemblée nationale, la désignation du parti ou du regroupement ne suffit pas. Parce qu'un président de l'Assemblée nationale, pour être élu, il doit avoir au moins 251 voix. Et les 251 voix, ce n'est pas le parti politique, c'est la représentation nationale. C'est tous les députés qui élisent le président de l'Assemblée nationale. Donc votre parti peut vous introniser, peut vous choisir, et les députés vous refusent. Ben, ça s'est passé, Christian. On l'a connu, un cas de jurisprudence avec Shehu Kitundu. Ah, d'accord. Qui était le super favori de la majorité parlementaire. Il a fait un ouvrage de voir Kim Wadondo, qui avait beaucoup d'amis parmi les sénateurs qui étaient là, il y avait beaucoup de Mobutistes, et puis qui avait un poids énorme de sénateurs qui lui étaient psychologiquement proches. Je voudrais dire ici, les sénateurs du Grand Équateur, le Grand Équateur est la seule province à avoir 5 nouvelles provinces actuellement. Donc pendant que les autres grandes anciennes provinces comme le Bandundu avaient 16 députés, la Grande Orientale, 12 sénateurs, la Grande Orientale 16, les Katanga 16, l'Équateur avait 20 sénateurs. 20 sénateurs. Voilà. Et donc, ce double calcul-là, les affiliés mobutistes, anciens mobutistes, les affiliés de la Grande Équateur, et puis d'autres approches sont entrées. Parce qu'il dit dans son mémoire, par exemple que je n'ai pas été le choix de Kabila. Oui. Et, alors, est-ce que pouvez-vous nous expliquer la magie? Comment ça s'est produit? Comment ça s'est fait que Kim Wadondo remporte, alors que Kabila était parti gagnant déjà, chez Kitundu, c'était la clé de Kabila? Un bulletin secret, c'est un bulletin secret. Un vote secret, c'est un vote secret. Il peut tout changer. Ça peut tout changer. Ça dépend de la personnalité de chacun d'eux, de chaque candidat, de sa connexion avec ses collègues, de ses affinités. Vous savez, vous devez être là, vous devez élire, mais quelque part, votre femme vous appelle. Ah, mon frère, essayez de faire attention par rapport à ça. Il vous parle pendant 30 minutes. Ça peut changer votre vote. Donc, la connexion, la personnalité, la capacité à fédérer, ce sont des caractéristiques importantes pour diriger une assemblée délibérante. Ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, c'est le cas du Sénat, ça s'est passé avec Kiongo Cheokidou, on l'a dit, mais ça s'est passé également dans plusieurs assemblées provinciales, même si on ne fait pas très attention. Mais il faut dire aussi qu'on a failli vivre ça au Sénat, encore une fois, avec l'exploit Bahati Lukwebo, qui a finalement changé la donne de plusieurs façons. Oui, Bahati, c'était la remontée de Bahati au Sénat, c'était phénoménal. Phénoménal. Et c'était très serré. Très serré. La preuve, c'est que tous les tickets FCC n'est pas passé. Exactement. Tambo et Mouamba est passé, c'est vrai, mais Bouchab est tombé. Oui. Et Zagbalafio, le candidat proposé par José Makila, comme questeur adjoint, est tombé. Voilà. Guilouando était FCC. Était FCC, oui, mais il n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui. Non, il était FCC, mais doublon. Parce que le candidat officiel de FCC, c'était celui qui est là, Eric Roubouillet. D'accord. Alors, aujourd'hui, Mme Abunda, présidente de l'Assemblée nationale, on fait des instants. Alors, il y a un problème entre Mme Abunda et le président de la République. On l'a senti. Alors, la question qu'on poserait à Mbolisson, vous qui êtes expert dans cette question parlementaire, pourquoi, depuis près de 18 ans, il n'y a jamais eu de conflit entre l'Assemblée nationale et le président de la République? Et que pour la première fois de l'histoire, en 2020, on a vu des bras de fer entre le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui pouvait par moment, le président va en Israël, en rentrant, le président du Sénat corrige le propos, il commente sur le propos. On a insulté Félix Tshisekedi d'inconscient à l'Assemblée nationale, on voulait débattre sur ces ordonnances. Alors, les gens se posent des questions, est-ce que c'était la violation de la loi, c'était des actes de témérité, ou c'était le fonctionnement régulier d'une démocratie? Les Congolais ne sont pas habitués à cela. Bon, encore que je peux me réserver par rapport aux débordements, aux écueils qu'on a observés par-ci, par-là. Mais c'est la première fois que nous ayons une sorte de cohabitation, entre guillemets. Qu'il y ait une majorité parlementaire qui soit différente de la majorité présidentielle. C'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Nous avons connu ces petits cas de figure pendant le régime 1+4. On a eu des partis comme le RCD Goma, qui par moments faisaient des déclarations ostentatoires et parfois même téméraires devant le président de la République. Il donne obligatoirement 48 heures au président de la République pour retirer son nom, sa décision. Et à une certaine époque, le FCC s'est attribué ou
a eu le surnom de sentinelle de la transition. Ils disent que chaque fois que le problème ne marchera pas, nous nous opposerons, nous devons le voyager des déclarations, retrait à Minembwe ou dans le sud Kivu, à l'époque de Moutéboussi. Wow. Mais cette fois-ci, nous sommes allés un peu au-delà parce qu'il y a eu ce cas de figure où le président de la République, celui qui a gagné les élections présidentielles, n'a pas la majorité parlementaire. Et il y a eu une sorte de cohabitation. On dit coalition, mais en réalité, c'était une cohabitation. Il y avait une juxtaposition. Et ça s'est révélé dans des exemples que vous avez cités où le président de la République est contredit par le président de l'Assemblée nationale et cela. Et je crois que c'est l'une des raisons qui ont poussé que le président de la République cherche à secouer les cocotiers parlementaires pour obtenir une nouvelle majorité. Et je crois que nous en sommes là. Et c'est là tout le, toute la problématique. Madame Abunda tombe, elle ne tombera pas. C'est d'abord le vice-président, le vice-premier président de l'UDPS, finalement Jean-Marc Abunda qui tombe. Ben, on raconte tout ce que l'on veut. Aujourd'hui, Abunda tombe. Mbolison, montrez-nous l'erreur dans toute cette procédure-là. La déchéance de Abunda, la déchéance de Kabound. Comment ça s'est passé? Non. De l'intérieur. Erreur, non. Ce sont des procédures parlementaires. Ce qu'il faut noter, c'est que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, sont des institutions politiques. Et avant de parler juridisme, avant de parler procédure, avant de parler tout et tout, il y a d'abord la politique, la donne politique qui prédomine. Si Mbolison est président de la République, il dit que je ne veux pas de Bossembe qui est président du Sénat. Il fera tout pour obtenir. Il en a les moyens. Pourvu que ça soit fait dans le cadre des lois et de constitution. Et donc, personnellement, en tant que journaliste, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, on assiste à ce qui est arrivé là. Même si, personnellement, je peux avoir des choses à redire par rapport à tel ou tel autre élément. Mais en tant que journaliste, en tant qu'expert en communication parlementaire, comme vous avez dit au départ, je ne suis pas étonné. Tous les cas de figure peuvent arriver. Qui sera président de l'Assemblée nationale demain? Toutes les propositions. Alors on va dire, est-ce que Mme Abunda savait que ça lui mal tournait contre elle? Est-ce qu'elle le savait? Je crois qu'elle est mieux placée pour répondre à cette question, mais quand on fait la politique, on s'attend à tout. Président de l'Assemblée nationale, ce sont des lourdes responsabilités. C'est le numéro 2 de la République. Et donc, on ne peut pas s'étonner. Mais pourquoi? Encore que quand on arrive à ce niveau-là, même dans sa propre famille politique, on peut avoir plus d'ennemis que d'amis. Oui. Alors, mais dites-nous, pourquoi, depuis que Mme Abunda est tombée, on sent M. Tambomomba beaucoup plus silencieux, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme, il n'attaque plus, il ne commente plus rien, alors que c'était à un moment donné jeu de ping-pong. Si Mme Abunda le dit, M. Tambouya fait le relais, mais on a encore l'impression que... Qu'est-ce qu'il n'a pas? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est la déchéance de Mbunda intimide un peu l'autre? Je ne saurais pas interpréter le silence d'un président du Sénat, sauf que bon, je note que le Sénat est en vacances parlementaires depuis le 15 décembre. Et donc, il n'y a pas de prétexte au verbocentrisme. Peut-être qu'on va attendre le retour au mois de mars. Justement, peut-être qu'il aura commenté. On va scruter son discours. Mais parce qu'il n'a pas commenté la déchéance de Mbunda, il n'a pas commenté tout ça. Quand même curieux, non? Je n'ai pas suivi son discours de clôture de la session parlementaire de septembre. J'étais peut-être plongé à autre chose. Mais bon, la seule grande apparition publique que je l'ai vue signer, c'est à l'occasion du congrès, là où le président de la République était venu présenter son discours sur l'état de la nation. Et ce discours-là n'appelle à aucun débat. Donc, il n'y avait pas d'occasion. Mais ils ne se sont pas salués, ils ne se sont pas fait des accolades. On sait que la Covid interdit tout ça, mais ne serait-ce que des mots gentils, on ne l'a pas vu. Bon, ça, je n'ai pas bien observé. J'étais dans la salle, je sais que là, les procédures exigent que les deux présidents aillent accueillir le président de la République dehors, et puis ils rentrent avant que le président n'entre. Je n'ai pas bien observé, mais bon, on va observer la rentrée de mars. On verra bien. Alors, mais est-ce que dans la rentrée de mars, il faut que le chef d'État soit là aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, parlons-en. Le président de la République ne vient à l'Assemblée que pour prononcer son mot. Et c'est tout. Oui, et peut-être pour les investitures, les membres de la Cour constitutionnelle. Alors, aujourd'hui, Mme Abunda est tombée. Un nouveau bureau est arrivé. Et finalement, on a entendu que la passation civilisée du pouvoir, de remise et reprise, ça n'a pas marché. En tant qu'expert de questions parlementaires, comment s'organise la passation
de pouvoir là-bas, la remise et reprise. Ça se fait comment? Dans une plénière, dans le bureau, comment ça se fait? La passation de service se fait entre les deux bureaux, les bureaux sortants et les bureaux entrants. Pas dans une plénière? Non. D'accord. Ça se fait entre les deux bureaux, c'est préparé par les secrétaires généraux qui a la maîtrise permanente des dossiers. Il y a d'abord un échange à huis clos et puis ils viennent devant les caméras pour formalisation. Il y a eu des hésitations, le bureau Mabunda ne semblait pas être prêt à faire la remise reprise avec le bureau d'âge qui était un bureau provisoire. Peut-être il disait qu'il attendrait le bureau définitif qui sera installé et élu, mais le bureau d'âge a saisi la cour constitutionnelle qui lui a donné gain de cause en disant qu'il avait le droit d'expédier les affaires courantes en ayant un mois pour organiser les choses. Donc, logiquement, d'ici le 15 janvier, on devrait avoir un bureau définitif. Et si on n'arrive pas, qu'est-ce que dit la loi? Il faudra que la Cour constitutionnelle donne une autre permission. Permission. Parce que dans l'arrêt de la Cour, c'était bien dit clairement en ayant un mois. Et si Mme Mabunda ne vient pas à la prestation de pouvoir, à la prestation de service, à la remise et reprise, si elle ne vient pas? La remise et reprise a eu lieu depuis jeudi, le 31. Depuis mercredi 30 décembre. Est-ce qu'elle était là? Il était représenté par le deuxième vice-président, l'honorable Balamagui. Non, c'est possible, ça se fait. C'est faisable. Oui, c'est faisable. D'accord. Parce qu'on ne peut pas bloquer l'institution. Ouais. Alors, mais maintenant, que devient le bureau Mabunda? Ils redeviennent des députés normaux? Ils sont des députés normaux, ils peuvent intervenir. Ils ont du travail à faire comme députés. Initier des lois aussi. Mais absolument. D'accord. Ce sont des députés à part entière et entière à part. Absolument. Mabunda demain peut devenir la présidente d'une commission permanente. Pourquoi okay. pas, mais est-ce que Mme Mabunda aura, est-ce que, bon ça c'est vraiment personnel, mais est-ce qu'elle aura le courage de rentrer encore à l'Assemblée nationale elle est élue. Oui. Elle est élue. Donc à Bumba, on ne l'a pas élue pour être forcément présidente de l'Assemblée nationale. Elle est élue pour être députée. Voilà, pour être députée. Donc elle peut parler du problème de Bumba, du problème de la nation, ouais, tout ouais, ça, elle peut parler. Ouais. Ah, d'accord. Elle a les avantages. Elle a le plein pouvoir de députée. Non, elle n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'avantage pour le président honoraire, ça n'existe plus ça, non? Il y a des avantages pour le président honoraire pour le temps qu'il n'assume pas de fonction publique. Pour autant qu'il n'assume pas de fonction publique. D'accord. Mais là... Elle est députée nationale, elle est fonctionnaire. C'est peut-être quand elle ne sera pas élue qu'elle pourra bénéficier de ça. Sinon, il y a double bénéfice. C'est pas bien. Alors, maintenant que le bureau d'âge est là, on parle de... D'abord, avant de parler du bureau d'âge, on a entendu le président parler au départ d'un autre avènement, c'est l'union sacrée de la nation. À un moment donné, les gens se posaient beaucoup de questions. Bolisson se disait, union sacrée, ça veut dire quoi? Union sacrée, ça veut dire des députés de l'Assemblée nationale qui sont partis de l'autre côté. Il y en a même d'autres qui disaient, la nouvelle majorité. Dites-nous en tant qu'experts, quelles sont les étapes pour arriver à une majorité parlementaire et où en sommes-nous maintenant? Je sais que c'est technique, mais expliquez-nous. Aujourd'hui, c'est une première. Okay. C'est une première que pendant la législature, il y a secousses, il y a tempêtes. Il y a ouragan et il y a mouvement des députés. Les députés ont fait des déclarations. Il y a même des chefs de regroupement qui ont fait des déclarations qui nous quittons tel camp pour un autre camp. Je ne sais pas trop, je n'entre pas dans les juridismes, mais j'ai constaté que les choses ont bougé. Les jours, on a examiné des pétitions contre les membres du bureau Mabunda. Vous l'avez dit, vous venez de le dire. Tous sont tombés. Il n'y a eu aucun survivant. Okay. À part les questeurs adjoints qui étaient malades à l'hôpital et pour lesquels on n'a pas examiné la pétition. J'ai envie de savoir comment ça va se passer. J'ai doute qu'ils soient épargnés, mais la pétition pourra être examinée tôt ou tard. Sinon, juridiquement, il est considéré comme un questeur adjoint jusqu'à cet avant-midi. Donc, quand on aura des élections à faire, le poste ne sera pas concerné. Voilà, son poste ne sera, juridiquement, ne sera pas concerné, sauf si on examine dans la même plénière. Alors, maintenant, comme les lignes semblent avoir bougé, on va assister à une nouvelle configuration également de l'Assemblée nationale qui va commencer par un nouveau bureau. Quelle sera la configuration, la coloration de ces bureaux-là? Il sera dirigé par qui? Sera-t-il dirigé par les mêmes FCC? Oui. Sera-t-il dirigé par un nouveau député qui s'est dit de l'Union sacrée? Sera-t-il dirigé par un indépendant?
C'est ce qu'on attend. Mais on dit que le FCC, on a entendu, que le FCC prétend avoir la majorité. Ils disent que bon, ils vont voter, ils vont gagner tous les sièges. J'ai entendu un cacique dire qu'il revendique aujourd'hui plus de 200 et quelques députés. Ils ont 200 députés qui sont fidèles à eux. On parle même de 230, 235 députés qui seraient proches, qui se reconnaissent encore proches du FCC. Et donc, ils ne craignent rien. Bon, ça, ce sont des revendications légitimes. Les mêmes revendications peuvent aussi venir de l'Union sacrée. Maintenant, nous, en tant que journalistes, nous nous intéresserons aux faits. Nous verrons ce qui va se passer. Est-ce que c'est un FCC qui va gagner? Est-ce que c'est un unioniste qui va passer? Quelles sont les hypothèses maintenant, aujourd'hui? Est-ce que, avant de parler des hommes, qui sera président de l'Assemblée nationale? Comment ça va se passer? Le bureau. Ça passe par l'élection. Okay. Le président de l'Assemblée nationale, je l'ai dit, je le répète, c'est une personnalité importante. C'est un rôle très important d'être président de l'Assemblée nationale. Il est le numéro 2 de la République. Après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Même si la Constitution a prévu que ce soit le président du Sénat qui soit le suppléant constitutionnel du président de la République. Mais sur le plan hiérarchique, sur le plan protocolaire, sur le plan de la préséance, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est le numéro 2 de la République. Mais il n'est pas élu lui seul. On ne s'autoprogramme pas président de l'Assemblée nationale, quelle que soit la dose de volonté que l'on peut avoir. Donc, il faut être élu par ses pairs, au moins 251 voix. Alors, pour être élu, les prétendants, les familles politiques, les blocs politiques, aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, il y a deux blocs. Il y a le FCC qui fait la résistance et il y a l'Union pour l'Union sacrée pour la nation. Pour la nation qui fait également la remontée en termes d'ambition également. Donc, le jeu est ouvert. C'est à chaque camp de savoir mettre tel cheval à telle position, tel jeu à telle position pour remporter la bataille. Alors, on va terminer cette émission, mais là, on nous entend dans une question très difficile. Je sais que vous êtes très mal à l'aise à parler des noms des gens, mais on ne peut pas faire autrement. Aux États-Unis, on parlerait de Kissinger, on parlerait en France, on parlerait de Kissinger, aux États-Unis, on parlerait de beaucoup d'autres personnes aussi. Tout à fait. Je voudrais que l'on revienne sur des questions précise. Nous avons entendu des ambitions. On a entendu Liaou. Monsieur Liaou, qui serait de l'Équateur. Vous allez nous dire aussi les quotas qu'on se passe. Il est élu de Bumba comme Mabunda. Il était directeur de cabinet du président pendant plusieurs années. On parle de Ndjoli, qui a été lui aussi député, sénateur vice-président de la CENI, professeur d'université. Exactement. Et vous avez bien d'autres. Hein. Kabound, qui a été premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est d'un plus grand parti politique, sinon aujourd'hui, et c'est le parti du président de la République. Entre-temps, vous avez Katumbi, qui peut placer Lutundula, qui peut placer... ils sont nombreux quand même. Hein. Et vous avez Bemba, qui a aussi Madame Bazaïba. Alors, comment cette cartographie se présente, cette météo parlementaire, comment elle se présente? Voilà, déjà les journaux ont beaucoup parlé de ça, hein, dans la semaine qui vient de se passer. Il y a eu des approximations, mais il y en a eu qui se sont révélé plus proche de la réalité. Il y a d'abord un portrait robot. Aujourd'hui, ce qui se passe là, ce qui va se passer, c'est le produit d'une crise de confiance entre la présidente de la République ou le président de la République et l'Assemblée nationale. Donc, il faut, à mon entendement, je crois, que le prochain président de l'Assemblée nationale soit en intelligence avec le président de la République. Donc, il y ait une sorte de convergence d'opinion ou de point de vue pour éviter ce que vous avez évoqué, un président qui est contredit par le président de l'Assemblée nationale ou vice-versa. Il faut quelqu'un qui a de bonnes relations avec le président de la République. Deuxièmement, le président de l'Assemblée nationale doit avoir beaucoup de connexions avec ses pairs députés. Le futur président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'est pas élu par un camp. Il est élu par tous les députés. Donc ça doit être quelqu'un qui a la connexion. Quelqu'un qui a la maîtrise des dossiers. Quelqu'un qui a la maîtrise de la procédure. Quelqu'un qui a la maîtrise de la logistique. Comment les lois sont élaborées. Parce que si un président de l'Assemblée nationale n'a pas la maîtrise des dossiers ou de la logistique, il va s'appuyer totalement sur le président de la PAJ, une commission permanente politique, administrative et judiciaire. À ce moment-là, ça crée une faiblesse. Parce que quand vous dirigez, c'est en live. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas d'enregistrement. Coupé, non. À la parole, il n'y a pas de coupé. Donc, le président de l'Assemblée nationale doit avoir la maîtrise de tous ces dossiers. Et dans le portrait robot, on a dit également que le président de l'Assemblée nationale doit être du bloc majoritaire de ceux qui ont signé la pétition contre Là, Mabunda. Ça commence à devenir compliqué. Pourquoi? Parce que si vous êtes minoritaire, vous êtes d'un bloc qui n'est constitué que de 20 personnes,
et vous voulez devenir président de la République, ça sera une... président de l'Assemblée nationale, pardon. Vous développez déjà les signes d'une fébrilité politique. Alors, tel que c'est présenté, qui ont plus de députés maintenant dans à l'Union Sacrée? Voilà. D'abord, pour parler des blocs, vous avez, il y a, pour simplifier les choses, si vous voulez qu'on peigne la pyramide de manière inversée, vous avez les FCC, ceux qui se disent encore des FCC. Ouais. Ils sont le plus FCC ou moins... El Tshisekedi. Non, les FCC fondamentalistes, ils sont plus ou moins 200. Ah, 200? Oui, 200 qui n'ont pas voulu que Mabunda quitte les bureaux. Mais c'est quand même pas pire, hein? c'est pas rien. Voilà, parce que vous vous rappelez la motion contre Mabunda, c'était 281 voix pour, mais 200 contre. Ouais. C'est-à-dire que les 200-là peuvent, je dis bien peuvent, être considérés comme rester fidèles aux FCC fondamentalistes. Le deuxième bloc, vous avez la centaine de députés qui ont quitté le FCC pour rejoindre l'Union Sacrée. Parce que, rappelez-vous, dans la déclaration du FCC, avant ce qui est arrivé, on disait qu'ils sont à 330, 305 et tout et tout. Mais le vote a révélé qu'il y avait 200 qui étaient contre. Ça signifie que quand vous prenez 330 moins 200, il y a 130 députés qui ont migré, entre guillemets, ça doit se confirmer. Dans l'Union Sacrée. Mais tous ces députés-là, c'est une grande composante. Ils ne viennent pas d'un seul parti. Ils viennent d'ADD, ADB, oui, oui, DBC, tout ça. Mais c'est une constellation. Okay. Le troisième bloc, nous appelons ça bloc pour faciliter les choses. Le troisième bloc, c'est les CASH. Les CASH, c'est une cinquantaine de députés. Ouais. Vous avez l'UDPS avec plus ou moins 32 députés, l'UNC, une dizaine de députés. Donc, le bloc-là, ça fait une cinquantaine de députés. Vous avez le Katumbiste, AMK, G7, MS et les autres. Ceux qui se reconnaissent à Moïse Katumbi, ils sont plus de 65. Vous avez les MLC Aden, qui sont les bembistes, qui représentent également, qui peuvent représenter une quarantaine de députés. Et vous avez l'AFDC de Bati, une quarantaine de députés également. Alors maintenant, quand vous faites la sommation, ça vous donne autour de 525. Or, l'Assemblée n'a que 500 députés. Ça signifie que dans le groupe de ceux qui ont migré du FCC fondamentaliste pour l'Union pour la Sacrée, l'Union Sacrée, pardon, par rapport au vote contre Mabunda, il y a là-dedans des députés des AFDC de Baati, qui jusqu'hier étaient toujours FCC. Aujourd'hui, la donne a changé. Alors, maintenant, il faut voir tous ces blocs-là. C'est pas, donc, quand vous voyez les tableaux-là, ce n'est pas un seul bloc qui peut gagner. Les FCC à lui seul, 200 députés ou 220, ne peut pas gagner la présidence. Donc, il faut finalement un consensus. Les CASH à lui seul ne peut pas gagner. Les marquis du FCC ne peuvent pas gagner. Il faut un consensus. Donc, il faut un candidat qui fait un peu la juxtaposition, la connexion de tous ces blocs-là. Je ne serais pas surpris, si les blocs qui viennent du FCC, les marquis du FCC qui ont rejoint l'Union Sacrée, si, je ne serais pas surpris s'ils sont le plus bercés ou les plus cajolés. Parce que c'est eux qui ont ramené. Voilà, ils sont fait léger, donc ils seraient restés de l'autre côté. Oui, rien n'allait changer. Rien n'allait changer. Donc, les Katumbis, les Bembis et tout, sans être moindres, ils sont pesants. On a vu le niveau de leur activité dans la production. Oui, mais la pierre qui fait tomber les gens. Voilà, là vous avez compris. Ouais. Alors, par rapport aux candidats, vous avez cité des noms. Il y a des noms qui sont cités. Oui. Vous avez Harry Thomas Lokondo. Oui. Qui voudrait rebondir face à après son échec contre Mabunda en avril 2019. Il veut prendre sa vengeance. Oui, bon, peut-être pas, mais il est qualifié. Lokondo, c'est un parlementaire chevronné. De ce côté-là, il n'y a rien à dire sur le plan de la production, c'est-à-dire des interventions, la qualité des interventions. Il fait partie de l'élite. Oui. Maintenant, le problème, c'est qu'il est indépendant. Il est indépendant. Il s'est dit ni du FCC, même si jusqu'hier soir, il était FCC, ni de l'Union pour l'Union Sacrée de manière formelle. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Va-t-il ratisser l'arche? Aura-t-il la confiance du FCC pour aller de l'avant? Je ne sais pas. Vous avez Lutundula, qui est aux prises au niveau des préliminaires, comme vous voulez les préliminaires, avec Christian Mwando. Lutundula, comme moi, nous sommes tous des katumbistes. Lutundula, c'est un parlementaire émérite. Il collectionne plus de 20 ans ou de 30 ans même de vie parlementaire. Il est dans les assemblées internationales. Il a fait beaucoup de lois, il a initié beaucoup de choses. Mais il a aussi une faiblesse d'appartenir à la même aire géographique que le président de la République. Donc, au nom de l'équilibre, ce n'est pas très, très indiqué. Ça va être difficile. Vous avez Christian Mwando.
un parlementaire qualifié. Il est, je crois, à sa deuxième mandature. Il était financier de Moïse Katumbi à l'époque du Grand Katanga. C'est quelqu'un qui dirige actuellement la commission infrastructure de l'Assemblée nationale. Il est qualifié, donc il peut être soutenu par les Katumbistes et il peut faire jeu. Vous avez Mme Bazaïba, secrétaire générale du MLC, le poids du MLC, il est de la Tchopo, la grande province orientale, qui est pesant à l'Assemblée nationale, mais il peut également avoir l'appui des autres femmes, même si de Jean-Pierre Bemba, naturellement. Mais là, il faudra sacrifier Djoli. Djoli également, c'est parmi les prétendants, c'est pourquoi on parle de prétendants. Il n'y a pas encore de candidature officielle. Et puis vous avez Jean-Pierre Liaou que vous avez cité. Il est au niveau parlementaire depuis une dizaine d'années. Mais avant d'être directeur du cabinet de Minaku, il était conseiller juridique sous Beauchamp. Ah d'accord. Donc tout okay. Beauchamp, il était là. Et directeur de cabinet sous Minaku, élu massivement à Bumba. Or, un directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, c'est pas peu. C'est plus qu'un député. Ouais. Hein? Au-delà des galons... C'est presque un président de l'Assemblée nationale. Voilà, un faux président. Au-delà des galons des députés, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale est plus qu'un député. Même sur le plan traitement, il est bien traité plus que député parce que les députés peuvent être en vacances parlementaires. Le directeur de cabinet du président de l'Assemblée n'est jamais en vacances parlementaires. Il prépare les desseins du président de l'Assemblée nationale, que ce soit au pays ou à l'international. Donc c'est un homme clé. C'est un homme clé. Jean-Pierre Liaou a été très, très dynamique durant tous les temps et il a été très déterminant. Vous souvenez, son départ du FCC a été très déterminant. Fracassant. Spectaculaire. C'est pratiquement le même cas de figure que Pius Mabilo. Oui. Donc Pius Mabilo, s'il n'était pas au gouvernement, parce qu'il a laissé la place à sa première suppléante, s'il n'était pas au gouvernement, il pouvait aussi être dans le peloton de prétendants. Mais aujourd'hui, parlons-en, est-ce que Liaou a des chances Djoli, qui est de la même province que lui? Est-ce que vous pensez qu'il peut battre, par exemple, Lukundo? Ça va se dessiner où? Discuter où? Au sein de quel format? Bon, je ne parle pas des individus. Je ne voudrais pas singulariser par rapport parce à... Parce que c'est le quota de l'Équateur, on dirait la présidence. Oui, bon, le quota de l'Équateur, mais à l'Équateur, il n'y a pas que Djoli, il n'y a pas que Lukundo. Vous avez cité Djoli, vous avez cité Lukundo. Il y avait Iseke Mangape à son âme qui venait de décéder. Oui. Alors, mais il y a deux schémas. Il y a les schémas provincial, les schémas géopolitiques, mais les schémas politiques. Les schémas politiques également. Le schéma provincial veut que ça soit l'Équateur, mais le schéma politique veut que ça soit quelqu'un qui est adoubé par un bloc qui pèse au sein de l'Union sacrée, et deux, que ça soit quelqu'un qui est en bonne intelligence avec le président de la République, qui soit dynamique, qui soit républicain. C'est le choix difficile du président. Le choix difficile du président. Est-ce que c'est le président choisi qui impulse? Le président a un mot à dire. Parce que la majorité parlementaire va plus servir le président, qui a besoin de cette majorité-là pour faire passer ses réformes, pour bien visibiliser son action. Le président a un mot à dire, en amont comme en aval, et surtout en amont. Et c'est très important, les choix. Alors, on va terminer, mais permettez-moi quand même cette petite digression. Et si le président, le bureau du... Permettez cette expression. Et si le bureau du président ne passe pas? C'est plutôt le bureau du FCC qui passe. Qu'est-ce qui va se passer? Le président l'a averti dans son message. Je crois qu'il avait dit dans son... Tout est dit dans son discours. Si le bureau... l'Union sacrée ne gagne pas le bureau de... Le prochain bureau de l'Assemblée nationale, il sera peut-être amené à dissoudre l'Assemblée nationale. On va aller... aux élections anticipées. Présidentielles, législatives ou seulement présidentielles ou seulement législatives? La Constitution parle singulièrement des législatives. Pas des présidentielles. Singulièrement des législatives. Anticipées. Merci beaucoup Bruno Mbolisson. Je rappelle que vous êtes, on va dire, auteur, le responsable. Oui, co-auteur et coordonnateur de cette très grande revue. Ouais. Parlez-nous de cette revue avant de terminer. Parce qu'elle apprend beaucoup de choses, les députés nationaux de la Tchopa, par exemple. Oui. Donc, on ouvre un document comme celui-ci, on a toute la documentation. Oui, toutes les données essentielles. C'est l'un des 12 projets conçus par notre agence Atlantique Congo Communication. Nous avons voulu simplement combler les déficits de communication, ou plutôt des connaissances des Congolais sur leur propre pays.
Donc, l'ouvrage vous permet d'avoir des potentialités touristiques, économiques, sociales, démographiques et culturelles de chacune de nos 26 provinces, d'avoir une vue panoramique sur les 500 députés présentés province par province, sur les 109 sénateurs présentés province par province, sur l'architecture fonctionnelle et organisationnelle des grandes institutions de la République, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours et tribunaux. Mais également, l'ouvrage fait une présentation panoramique du pays. Du pays. 141 territoires. Voilà, des 146 territoires. 146 territoires de la République. Vous avez là les 20 pays les plus préférés des Congolais en termes de proximité et en termes d'intervention à la stabilité du pays. Vous avez les 36 ambassadeurs immortels de la cause congolaise qui se sont donnés sans être Congolais, qui ont donné parfois leur vie pour que le Congo soit aujourd'hui ce qu'il est. On parle de Dag Hammarskjöld. On parle de Moustapha Niass. Vous n'avez pas oublié Ndita. Mandela. Amerela, c'est ton ami. Il est là. Okay. On parle également des modèles d'éveil de conscience nationale et de partage d'intelligence. Des gens qui se sont sacrifiés, qui se sacrifient pour la cause des autres. Oh. Vous avez le Denis Mukwege. Oh. Vous avez le beaucoup de choses. Vous avez j'ai vu, José j'ai Naoué, vu, par exemple, le top 20 des grands ambassadeurs de la cause congolaise. Voilà. On a vu des gens comme Mandela, voilà. On a vu Sassou Nguesso. Celui qui m'intéresse le plus ici, c'est qui me fait rire d'abord, celui Michel, qui a été là. Ouais. Et on a les 40 femmes emblématiques de l'RSS, qui est voilà. Fabuleux. Les femmes influentes. Femmes influentes. Nous avons le top 30 des vecteurs de la conscience collective voilà. Et la solidarité sociale. Les 40 meilleurs artistes musiciens du siècle. Ouais. C'est très bien, ouais. Même si je ne vois pas... Ce sont des sondages qui ont été effectués par chaque spécialiste de son domaine. Même si je ne vois pas là, il y a des journalistes quand même. Non, il y a des journalistes qui ont été primés. Ouais. Il y a Innocent Olenga pour la presse en ligne. Oui. Il y a José Naouej pour la presse écrite. Ah, il y a Christian Lusakweno pour la presse audiovisuelle, la radio. Ah, très bien. Ouais. Je crois que quand il y a on beaucoup sera d'avocats aussi. Oui. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci Christian, merci, c'est moi. Bruno Bolisson. Je crois que nous allons travailler dur pour être inscrit dans ce manuel. C'est automatique. Merci. Je remercie l'équipe. Je salue la nouvelle énergie et le dynamisme certifié dans la presse congolaise. Merci, merci. Beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bonne année en tout cas. N'oubliez pas que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe né. Maman Marthe né. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es un nyonso. Biloko ya ya ni yo Congolais. On y dit ne kola yo. A sa ni sa yote. Pour la Corée na yo. Moko ma bonne la yo. Pour la Nzoto na yo. Moko ya ele. Moko ma bonne la yo. Balobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon commandant n'est pas là t'es pas là t'es pas là y'a mboka y'a fraise y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo poule mon kanja isali barubi nous sommes y'a rien et une couba panywa barubi n'tente isali ça combatte la nature mboto y'a mbise ça barubi n'y'a pas y'a beaucoup y'a beaucoup beaucoup de tragane tragane gando de la rien à base na sutu eza kodia na peti po mama mande ya solo po ba to comprendre te mawa ba komore u alonu u alonu po na kodia na pino moko ba to le radio kalinyo kodia na a peti Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée aux sang, ciseaux pinois, Daïmada, Chino, Tuenéné, Nakimia, Panapiko, Namosala, Toto Gabo, Kakule, Kakitoko. Nakimia pana kungo, toye mali, toye bolonde ne yalisa.